chaque jour plus de lumière. Nous renouons avec des mots créateurs, ancestraux, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le verbe nourricier, notre fil de lumière jusqu'à la nature originelle. La toile vient comme un rappel, le rappel de la fin de cette descente vers l'obscurité et le début, le renouveau de l'ascension. Cette ascension qui marque la victoire, le triomphe sur les ténèbres. Au solstice d'hiver, le soleil est au nadir. C'est la journée la plus courte de l'année qui vient annoncer le retournement, qui vient annoncer l'éternelle régénération du soleil, le retour de la lumière. À partir d'aujourd'hui, les jours vont grandir et c'est à nous d'accueillir cette lumière chaque jour un peu plus. Souvenez-vous partout dans le monde de ces alignements de pierres, à différents moments, dans différentes cultures, qui, lors du solstice, accueille le soleil, la lumière, de manière très spécifique. L'alignement des pierres permet que le soleil soit pile au bon endroit et tout est éclairé, tout est allumé. Plus je m'aligne et plus chaque jour j'accueille dans une autre maturité, une autre profondeur, la lumière. Et cette lumière contient toutes les couleurs. Prenez le temps de rentrer dans le blanc de François, dans le rayon lumineux de son tableau, dans les rayons lumineux. Chaque rayon a sa couleur, et dans chaque rayon, il y a plusieurs couleurs, des nuances irisées d'arc-en-ciel. Chaque jour, à nouveau, nous accueillons un